coup-ci, on s'attaque au pare-choc. Grosse pièce métallique qui prend des coups quand même. Et puis l'oxydation, pareil. Je vais les nettoyer, les gratter, certainement les repeindre et traiter la rouille, enfin tout ce qu'il faut. Il y a des morceaux à refaire parce qu'ils sont bouffés par la rouille. Et de l'autre côté là-bas, c'est pourri. Et puis il va surtout me manquer les extrémités de pare-choc. Donc à l'avant il manque le droit et à l'arrière le droit est abîmé. Le gauche va bien et le là aussi. Donc il va falloir que je trouve ça. Je vais trouver, ça m'inquiète pas. Allez, pour l'instant on restaure ça. Donc en fait, avant de les nettoyer, je vais essayer d'enlever les bouts de plastique. J'ai déjà démonté celui qui restait de l'avant, donc il n'y avait qu'une vis qui était foirée, donc ça n'a pas été difficile. Donc là je vais essayer d'enlever ça, mais quand je vois la gueule des vis, je me dis que ça risque de pas être facile. On essaye. On est chier pour sortir ces vis-là. Alors quand j'ai démonté, j'ai trouvé tout un tas de rondelles. Oui, c'était pour compenser le fait que le support sur le châssis était tordu. Donc j'ai juste détordu, ça devrait aller. Et ça, c'est celui de l'autre côté que j'avais démonté quand j'ai démonté le pare-choc. En fait, j'avais démonté ça de la voiture au lieu de démonter ça du pare-choc. Et en fait, les deux vis sont cassées, tellement c'est rouillé. Donc là, pour les arracher, il va falloir que je repère, c'est que je retaraude, je pense. Bon, le pare-choc avant, c'est le plus malade. Faut que je remplace les deux platines de chaque côté.
avec les retours là, parce que c'est pourri. L'intérieur est bien rouillé, façade aussi ici. En fait ici, il faut que je change un morceau. C'est un patchwork. Pareil l'autre côté. Et puis les torches. Et puis boucher les trous, la dégueulasse qui ont été faits pour mettre certainement des longues portées. Donc il y a un peu de travail. Donc cette forme bizarre, c'est la forme des bouts des pare-chocs qu'il faut que je refasse. Donc j'ai fait un gabarit en carton et je vais le reporter sur ma tôle pour optimiser la chose et avoir le moins de pertes possible.
brosser tout l'intérieur. Maintenant, je vais y mettre du Rustol. Bon, sinon, le pare-choc arrière, il est un peu rouillé dedans. Donc, faut gratter. C'est de la surface, c'est pas bien grave. Il est tordu ici, bon, à force de, comme le groupe de la porte était cassé, ben la porte tapait dedans à chaque ouverture. Donc en fait, faut gratter. Gratter l'intérieur, rustoler, détordre ça, donc c'est beaucoup moins compliqué que celui de devant. Donc comme pour tout à l'heure, j'ai brossé et rustol. Donc pour l'intérieur, la peinture, pour le portail, c'est bien, ça suffira. Connaissez-vous le polytrol? C'est comme le rustol pour le plastique. Donc moi j'en ai déjà utilisé avec des bons résultats. Là les plastiques ils sont bien vieux, bien blanchis, soleil et tout ça. Bon, ils sont pas cassants, c'est juste surface. Donc je pense qu'en mettant une couche de ça, ça ne devrait pas être mal. Voilà, ça fait une dizaine de minutes que j'ai appliqué. C'est encore gras, maintenant je frotte. On enlève ce qui reste. Donc on laisse un peu sécher, puis on y revient tout à l'heure. Alors celui-là est fait. Deux couches, en fait, j'ai eu deux fois. Celui-là est pas fait. Alors, je sais pas si on voit la différence. Celui-là, il est sec en surface. Celui-là, eh bien, il est devenu souple. Enfin, souple. Il était déjà, mais j'ai l'impression qu'il est redevenu souple. Donc, on va refaire celui-là complètement. Je remonte ça avec de l'inox, on y aurait pas. Et voilà, on va terminer la restauration des pare-chocs là comme ça, parce que j'ai pas plus. J'ai le plastique qui va à droite là sur l'arrière, il est complètement détruit. Donc je vais pas remonter ça, faut que j'en trouve un autre.
6 embouts sur le pare-choc avant, il m'en manque un, j'avais pas quand j'ai acheté la voiture. Et sur l'autre côté, je le montrais que quand je mettrais les ailes, parce que comme j'ai refait les patoches, j'ai pas percé les trous. Parce que j'ai pas envie que ce soit pas parallèle aux ailes. Donc je referai tout ça de montage quand tout sera en place. Donc voilà, ils sont jolis, ils sont repeints. Peinture polyuréthane extérieure, peinture de portail à l'intérieur, anti-rouille, avec du rustol, tout ce qui va bien. Donc je ne devrais pas bouger tout de suite. Visserie inox, pareil pour ça, inox. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à trouver les pièces qui me manquent. Bon, j'ai des pistes, j'ai des contacts. On va voir. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, si vous avez appris un truc ou autre ou quoi que ce soit, bah, vous mettez un pouce, vous laissez un commentaire, c'est gentil, vous faites circuler sur les réseaux sociaux et vous abonnez à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir, courage, on va s'en sortir, il fait beau maintenant, encore, ça se rapproche quoi, presque. Allez, au revoir.